Namasté Ginette. Namasté Émilie. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la retraite. J'aurais aimé savoir comment tu te sens, comment ça s'est passé ton expérience à la retraite ici. C'est fait une retraite intense. Il y a eu le Panchakarma qui est un jeûne mais contrôlé avec quand même un peu de nourriture et qui a été vraiment une belle cure de désintoxication. Et ce ménage-là intérieur de nos cellules m'a fait vraiment beaucoup de bien. Il m'a permis de me débarrasser de probablement de microbes ou de certaines choses intérieures qui se promènent dans nos cellules. Alors ça me fait du bien. Il y a le yoga qui a été très intense. Et pour moi qui ne fais pas beaucoup de yoga dans ma vie, c'était toujours un apprentissage nouveau. Le plaisir, c'était que je me rendais compte qu'au début, il y a certaines formes que je ne pouvais faire. Et vers la fin, eh bien là, j'avais quand même plus de souplesse et je pouvais en faire un peu plus. Et pour ce qui est tout ce qui était des chants et des visites des temples, et aussi ce qu'on a eu, toute la déesse Durga qu'on a suivie pendant 9 jours, les fêtes de la déesse, ça a été une connaissance nouvelle au niveau de ce que l'Inde, et ce que les gens dégagent au niveau de leur religion. C'est très intense et on a pu vivre ça avec eux. Je te remercie beaucoup. Merci.